celui-là. Cette semaine, c'est la semaine de la presse à l'école. Dans ce cadre-là, avec les actions menées par la ville, on s'est organisé un petit temps d'échange et de parole au niveau des divers modes de communication. On s'est beaucoup interrogé sur l'utilisation des réseaux et des médias auprès des enfants. L'information, c'est pas inné de se dire qu'elle est bonne ou qu'elle est pas bonne. Comment se poser des bonnes questions? Est-ce que l'info qu'on nous donne, est-ce qu'on doit la vérifier, pas la vérifier? Est-ce que quand je suis un youtubeur, il nous dit toujours la vérité ou pas? Ou qu'est-ce qu'il veut nous vendre? Ou qu'est-ce qu'il y a par derrière? En fait, c'est vraiment interroger les enfants et les rendre citoyens dans leur consommation de tous les jours des réseaux. Les réseaux sociaux, des fois, ça divulgue un exemple de fausses informations. On voit une information, avant de la diffuser partout dans le monde, vérifier si elle est vraie ou fausse. Il y a des images qu'on ne peut pas voir. Ils ont quand même besoin qu'on les aide dans leur parcours et dans leur utilisation des différents réseaux. Les faire chercher et les rendre curieux, c'est intéressant. Si je veux savoir quand les ordures passent, ou si je veux savoir ce qui s'est passé au cinéma,